Re tout le monde, j'espère que vous avez pris une petite pause très agréable. Cette partie comme ça, vous avez pris l'air un petit coup. Vous êtes mis bien, petit cocktail, tout ce qui est nécessaire pour faire une petite chaise musicale. Hein. Un jour on s'en fera une IRL. Alors, vous allez créer une nouvelle salle qui s'appelle Bad Kiff le guerrier. Mais non, mais c'était Gaming, n'a rien compris. On verra ça plus tard, Glalia. Pas maintenant. Faut s'étendre un petit peu. On va jouer les mêmes maps. Hein. On va jouer les mêmes maps. Parce que j'ai vraiment beaucoup trop peur que le stream crache totalement, en fait. Vu comment le logiciel pue la merde. Qu'est-ce que je disais déjà? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, c'est vrai. Il faut que je change le titre de la salle. Car vous avez tout changé. Donc c'est LCM de Bad Kiff le guerrier. Ah, j'ai les capsocs d'activer. Pas de bol ça. Hop, le notepad, je pense que c'est toujours édition 3, j'espère. Oui! Ah, MDP guerrier. Le mot de passe est guerrier, d'accord. Donc je suis un véritable guerrier dans vos têtes. Hop! Orban, ça me fait très plaisir ce que tu me dis. Ah, j'aime bien! Non, c'est édition 3! C'est édition 3, d'accord. Ne me dites pas n'importe quoi. Alors ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis parce que je me suis vraiment entraîné quand j'étais petit pour avoir cette voix. Et je dis pas de conneries. Hein. Je sais très bien faire son intro d'ailleurs. Enfin normalement. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Un basket qui ment sur le stream de la TS. Aïe. Qu'est-ce que j'aurais dit? Quand je veux, eh bien allez-y! Allez-y, faites-vous plaisir. Vous êtes libre de lancer. On croit à l'entendre. Mais j'ai pas la même voix par contre quand je parle normalement. Mais je sais particulièrement faire sa voix comme ça. Il va être éliminé premier tour, moi. Ah, la correction d'une faute de frappe. Vous pouvez lancer quand vous voulez. Oh, Just Man. Insupportable. Melfi, je veux bien le MP de la salle, par contre. Ça pourrait nous être utile, vu que je pense qu'il y a beaucoup plus que 8 joueurs. Oh, vous êtes tous réactifs, j'aime bien. Franchement, les viewers sur la Star Squad, ils sont quand même vachement sympas. Donc merci à vous. 14 dans la salle. Oh, oh là là. pour les prochaines éditions, si ça continue comme ça, il y aura une autre organisation, je pense. On fait comment? Bah vous faites les 4 maps exactement de la même façon que ça a été fait pour l'autre salle. Je vous laisse lancer, c'est quand vous voulez. Voilà, oh, exactement quand je dis ça, c'est parti. Donc, tout le monde semble être lancé, sauf Kiwi. On va paniquer histoire de voir Kiwi, le pauvre petit Kiwi. Ah, ça l'a pas lancé. Ah là là, Kiwi. Et je ne crois pas pouvoir demander le abort. Parce que c'est un peu chiant en fait hein, de demander un abort dès le début comme ça. Du coup, Kiwi, tu vas jamais jouer en fait cet endroit. Mais je compte sur toi pour t'entraîner comme un grand malade, histoire de réussir. Et Radiateur qui est parti en flashlight, Volor. Ah, on a Volor! Volor à Hard Rock. Volor très très fort. Vraiment. Vraiment très bon.
Radiateur qui s'en sort plus ou moins. Il va sûrement être dernier quand même. Ta 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 ta. Alors c'est assez difficile de pouvoir juger. Alors pour le moment, Ramzes Dessou qui est pas si mauvais que ça apparemment. On a un joueur qui sait cliquer sur des ronds. Contrairement à Radiateur qui est carrément en difficulté actuellement. Je me demande vraiment s'il va être dernier ou pas. Il peut très bien avoir un fail. Qui mettrait Radiateur en tête de liste. Et donc on n'a pas de FC à l'écran. Même Volor. Volor, qu'est-ce que tu fais, Volor? Franchement, je suis déçu. Je suis Ramzes déçu. Désolé, c'était tentant. Oh, pourquoi j'ai dit ça, moi? La partie difficile, apparemment la seule. Qu'est-ce qu'il y a, Glalie, à 3 petits points? Ah, Emesis! Ruined! Ah là là! Donc Radiateur qui aura fail. T'as pris ta pause trop longtemps. Et donc le score sera de Radiateur est éliminé. Le joueur qui aimerait bien participer à l'EWC est éliminé au premier tour d'une chaise musicale. Bien précisé. Cette personne est censée être forte. Il n'y a pas moyen de négocier. Est-ce qu'il y a moyen de négocier? Est-ce qu'il y aurait moyen de négocier? Malheureusement non. Si je commence déjà à laisser un peu tout passer, ça va être difficile. Il y a déjà trop de joueurs, hein. Je suis désolé. GG pour ta performance, hein, mais non. Et du coup, oui, j'adore Ajin. Je pense pas être spécialement un weeb, mais j'adore Ajin. Qui a dit que je voulais faire le double essai? Par contre, Mister Kiwi, c'est un peu pareil pour toi. Hein. Je suis déso. Mais tu l'as pas joué, du coup t'es éliminé. C'est la vie. Mais tu peux toujours jouer en no fail, spun out. Histoire qu'on reconnaisse que. Que tu n'es plus dans le tournoi. J'ai précisé. J'ai faire comme la Tar Squad. Hein. Ah ouais, bah, je suis désolé, hein, je suis désolé. Vous pouvez lancer quand vous voulez. Melfis, tu connais les règles. Hein. 30 secondes entre les maps. Ah bah non. Non, non.
Tu ne peux pas revive, mon cher radiateur. Tu as perdu. Spin out. Balade-toi dans les modes, tu vas le trouver. C'est un truc qui fait que tu spins automatiquement. Donc c'est parti, cette fois on a tous les joueurs sur le plateau. Voleur toujours Hard Rock. Je pense qu'il est confiant à ce niveau-là. Et donc pour revenir ouais, à ce que tu disais, Van, j'adore Ajin pour le caractère des personnages. Je trouve qu'ils ont une profondeur très intéressante. Le personnage principal, je sais pas, renvoie une aura de d'adolescent, mais intelligent, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Puis mon personnage préféré, ça reste Sato, il est tellement badass. Son réaliste. En effet, Mister Kiwi, hein. Ça c'est violent, t'as malchance là. Je suis désolé. Mais dis-toi que ça te renforce mentalement. Ouais, voilà. Le héros, c'est pas un mec gentil, enfin... Ouais, c'est ça en fait qui est très intéressant. C'est que le personnage principal... C'est un gentil, mais qui est pas juste là pour être gentil. Il y a vraiment des émotions supplémentaires. Ouais, moi je suis gentil, je vais aider les gens et tout. Genre, tu ressens la souffrance, mais aussi la joie dans... Enfin, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Et moi, ça m'a pas du tout dérangé le truc 3D bizarre là qu'ils font. Au contraire, j'ai trouvé que ça donnait de l'ampleur au personnage. Très intéressant. Pendant ce temps, Astrid Dream qui s'en sort très bien. Ah, t'as lu le manga? Ouais, apparemment il est encore plus épique. Mais moi je sais pas lire, du coup je suis obligé de regarder l'anime. Volor, Hard Rock. Ouais, c'est assez violent. Hein. En français, du coup. Ah non, je comprends pas le français non plus. Non, en vrai, c'est que j'aime pas lire les mangas. C'est comme ça. Faudrait que je m'y mette, mais je sais pas, pour moi, il manque quelque chose. J'aime bien avoir le son. Volor qui est le seul à avoir un très bon combo à Street Dream qui aura perdu le sien. Ça lag, évidemment, son c'est pas rigolo. Les autres joueurs plus en difficulté. Mais le fils qui s'en sort sur ce genre de map quand même. Il est vu sur l'écran. Monsieur veut être affiché. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça super difficile de trouver quelque chose qui correspond bien. Alors, résultat, nous avons... Burst qui n'est pas à l'écran. Ah si, qui est à l'écran. Burst, tu es éliminé. Melf qui aura 3 miss. Mais Burst, je suis désolé. Burst, tu vas devoir mettre Nofel plus Span Out. Burst, c'est la vie. Ah, Melf, il est vraiment on fire là. C'est... On ne le contrôle plus. Mais quand il va arriver sur la quatrième map, il va faire « Est-ce que je peux mettre la difficulté en dessous, s'il vous plaît, parce que je suis vraiment trop nul, moi. » Il est pas allé dans le rouge. Non mais Radiateur, tu es déjà éliminé. Donc on est parti sur Proluvius.
Leaders Inside. Ouais, jouer sans avoir à parler stream, enfin. Sans devoir s'occuper d'autre chose, c'est juste impressionnant le niveau qu'on prend. C'est pour ça que je peux pas stream les tournois. J'aimerais beaucoup, hein, parce que c'est intéressant. Mais je ne peux pas stream ce que je joue en tournoi parce que sinon je suis déconcentré. Et le simple fait d'être sur Discord et de parler, en fait, c'est fatigant. T'es déconcentré, t'es pas dedans à fond. Et du coup, t'arrives pas à faire des perfs à la hauteur de ton niveau. Tu shitmises beaucoup plus, tu fais des bad kiffs, comme on dit. Hein. Ça vient de là. Pour ça, maintenant, je ne stream plus les tournois. Je stream les séances d'entraînement. Voilà, je fais ma pub, hein. De toute façon, je suis tout seul. Personne pour me critiquer. Le mec, il est en train de jouer, là, je peux faire tout ce que je veux. Just Man à l'écran. Gros naze. C'est qui a perdu contre moi et Skio? Sachant que Skio ne faisait quasiment aucune perte sur les DT. Bon, par contre, il était très fort en Hidden, mais... Hein? Ouais? Détends-toi. Et on va voir qu'est-ce que donnent les joueurs. Là, on commence vraiment à rentrer dans la tech. Là, pas avec un PPM assez low. Ouais, clairement trop difficile en flashlight celle-là. Et Astrid Dream qui balance le what the fuck, il est encore en full combo. Ou quasiment. Volor qui a 250 combos en adroc. Pour le sort random 2, eh bien nous sommes premier de poule. On a tout gagné. On est beaucoup trop fort. Merci. Je sais pas comment on va faire, hein, mais on a gagné contre la team de Fires et tout, enfin... Bref, même contre la team de Bola. Alors qu'il y avait Mindnode dedans. Pff, tu crois vraiment que t'aurais gagné? On a Ramzes DSE et Astrid Dream. Ok, j'allais dire que t'avais un bon combo, Astrid Dream, tu m'as vraiment déçu, là. Là, c'est... Franchement, j'avais confiance en toi. Dans tous les cas, on passe. Mais on passe tous aussi, nous, mais c'est juste que le seeding, c'est... C'est plus facile. Et donc, le dernier sera Melfis. Melfis, non ! Melfis ! Melfis. Tu me déçois beaucoup. Melfis, franchement. Melfis. Les autres membres de ce tournoi ont décidé de t'éjecter. La sentence est irrévocable. J'en avais marre d'être bon. Monsieur, excusez-nous. Le coup de j'ai fait deux matchs. Bien sûr, bien sûr. Moi, je les ai tous faits. Ah mais bien sûr, c'est pour ça que je mets des maps plus difficiles, parce que sinon tu gagnes tout, c'est chiant. Et on part sur une map beaucoup plus difficile encore. Et je suis obligé de paniquer parce que Ramzes DSE qui fait n'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est ça aussi, il n'y a plus de challenge. On est parti sur une map 5,3 étoiles de la tech. Très très difficile pour la plupart des joueurs ici. Il faut se concentrer sur Voleur et Justman surtout. Je pense que ce sont les deux meilleurs joueurs. Honnêtement. Sérieusement. Melfi, c'est pas bien de rapporter. Pour le moment, on a justement juste Justman en full combo.
Les autres joueurs ont beaucoup plus de mal. Adri qui a abandonné. Adri a abandonné, la map beaucoup trop difficile. C'était pas drôle. Mais il a pas quitté, du coup, ça fera qu'un seul joueur éliminé tant qu'il ne quitte pas. Sache que si tu quittes la game avant qu'elle soit finie, Adri, tu fais perdre quelqu'un. C'est toi qui choisis. Leave! Leave, Adri, leave! Cette map, what the fuck? Donc ce sera Adri qui va perdre, je pense. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Normalement, c'est censé être joli. Et oui, ce sera Adri qui perdra. Et Volor qui aura 428 combos quand même. Ah, t'as rien compris, bah, je pense. Mais on est reparti sur les maps plus faciles. Et mais y sérieusement. Tout de même. Un peu de respect pour les joueurs. Normalement, on a 2 minutes de pause. Mais si ça pouvait aller vite, ça m'arrangerait aussi. Fais pas le mec, Radiator, fais pas le mec. Mais non, tu peux pas te voler. Je suis pas un joueur flashlight. Je suis vraiment trop content de le savoir, Asri. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que tu enlèves ton pantalon, ça m'émoustille. Hey Jacques. Hey salut Jacques. Tu es en retard. Apparemment tu étais là avant. Mais tu es en retard aujourd'hui. Bon, vous pouvez lancer dans la salle, ça fait 2 minutes. Flashlight, le mode préféré des tryharders. Ouais. Je suis pas un grand fan du principe du flashlight. C'est un mode très très difficile à jouer, hein. Mais c'est pas ce que je ferais, moi. Ça m'intéresse pas spécialement. Justman et Volor en hard rock. Ouais, 100 fois t'es gentil en vrai. Ça dépend vraiment de la map. Genre je suis pas sûr que Nero il ait joué que 100 fois à Herman. Ouais, ouais, facile, facile. Tu sais, c'est un peu comme... Putain, comment il s'appelle? Je crois que c'est Sky. Enfin, le joueur marocain, de mémoire. Qui a fait 800 pp sur une map avec tous les mods. Ah, ça clear flashlight, scalar rose. Bien joué. Putain.
Ouais, FG Sky, voilà. Ah, moi, Scalatrose, rien que la clear, en fait, de base, j'aime pas ça. Hein. Ça va à la fois trop vite et trop lentement, c'est insupportable. Mais Wolfie, en fait, c'est un pro du Easy. Il est vraiment trop fort. On a gagné contre lui, mais ils sont vraiment insane. Il y a Radiateur dans la team, mais il sert à rien, il y a que Wolfie. Oh Melfis, Melfis qui s'abonne. Ah là là. Oui. Je vais pas te dire merci, c'est ta chaîne, hein. Mais en fait, t'as juste donné de l'argent à Twitch. C'est vraiment ce que tu viens de faire. On arrive sur une fin de map. Justman, 700 de combo. Qui perd le combo. Totalement nul à chier ce joueur. Il faut se rappeler que cette personne a joué Black Rover en Rock et l'AFC. Ah, d'accord. Bravo. LUL. Oui, ça parlait de toi parce que t'es mauvais. Alors, qui c'est qui a perdu? Qui c'est qui va devoir nous quitter? Je me pose la question. Et c'est Voltan. Voltan, qui aura perdu? Voltan. 2 675 000 de score. C'est la fin pour toi. C'est terminé. C'est terminé. Désolé. La sentence est irrévocable. Voltan qui aura perdu. Vous êtes encore beaucoup dans la room. Oh, ça va finir à des heures pas possibles. 1, 2. Mais Radiateur, arrête de jouer, putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes encore 8. Et bah, tout le monde est là. Ouais, mais t'es chiant, t'es trop fort. Arrête d'être fort. Voilà. Vous soyez plus fort, les autres. Soyez plus fort que Radiateur. Non, c'est pas grave, tant que je connais le dernier, ça me va. Et c'est parti pour cette map volant toujours un droit que Justman qui aura lâché. C'est Coronel, ça, on peut le dire. Oh, no mode, franchement. Une map comme ça, une map jump. Cette personne qui est spécialisée en jump, pas mauvais. Ah bah, j'imagine. C'est pas drôle de faire tomber son stylet, comment t'as fait? Enfin, quand on joue, c'est pas facile en général de faire tomber son stylet. Enfin, c'est bon, tu l'as fait tomber sur la table ou tu l'as fait tomber à tes pieds? La question. Alors, toujours aucun problème sur ce début de partie. Ta-ta-ta-ta. Amatsuka Ko, qui aura quelques difficultés en ce début de partie. Assez étrange. Pas rien n'est joué. Voilà, on a Yukio, ST Gaming, Asri Dream. Beaucoup de miss en bas de l'écran. Chez moi en tout cas, parce que je sais que sur le stream, c'est complètement n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Dervan qui ne joue pas. J'en étais même pas rendu compte. Ah
Oh, il préfère regarder. C'est vrai que c'est très sympa à regarder aussi. Et pour le prochain stream, j'essaierai de préparer des scènes quand il restera que 4 joueurs. Et plus que 2 après. On a encore 2 joueurs en full combo, Valor et Justman. Justman en 100%. Tranquillement. Il fait son affaire. Les autres joueurs qui ont plus de mal quand même. C'est une map assez difficile, faut l'avouer. Les mobs sont quand même de plus en plus dans la difficulté. On a 100%, on a 99,45%. Je pense que ça a été un slider break, pas de bol du côté de Ramses DSE. Les sliders toujours aussi difficiles sur cette map. Ça paraît pas comme ça en stream, mais les prendre c'est pas toujours évident. Ils ralentissent, ils accélèrent. Voilà, Volor qui lâchera le miss. Le curseur qui fait un peu n'importe quoi quand on n'est pas habitué. Aujourd'hui on a des maps qui sont faites pour être agréables à jouer. Le curseur qui bouge toujours, il change de sens. Et là faut vraiment être concentré sur chaque cercle. Radiateur, ça ne sert à rien ce que tu dis. Hein. Vraiment, ça sert à rien. Tes yeux ont mal. Ah. Et Justman qui nous sort un petit SS. Bah oui. Bah oui, monsieur, on lui a dit qu'il était pas très fort, du coup. Qu'est-ce qu'il fait, il nous sort un SS? Chez. GG en tout cas, mec. Et donc, ça va être CT Gaming. Tu auras bien tenu. Mais cette fois, c'est à toi de perdre. Tes os. Mais ils sont trop forts aussi, là, eux. Bug jump. Et donc là, je crois que ça devient assez corsé, le niveau. On a 7 bons joueurs, en tout cas. J'ai pas vu de contre-perf assez violente. Never give up. Toujours never give up. Si quelqu'un fail. Et oui. Ah! Car moi, je suis mauvais! Bon. Je n'ai pas dit ça. Asridrim qui joue un petit peu à faire des tests de QI. Je pense qu'il fait un test de QI, Asridrim, pendant qu'il joue. Il a que ça à faire. Bibel Thump. Il y a un H. Les joueurs qui sont partis, Volor toujours en hard rock, Justman toujours en SS. Aucun problème là-dessus. Ça va plutôt jouer sur le bas de l'écran. Le haut de l'écran regroupe un peu les meilleurs joueurs. Toxic Brain, je crois qu'il y a plus de difficultés quand même. Mais bon, il reste quand même largement au-dessus des autres. Pour l'instant, c'est Yukio le plus en difficulté. Ah là là. Vous dénigrez les joueurs, c'est pas bien. Il faut leur dire qu'ils sont forts. La part. Le finger control, quelques slider kick. C'est encore assez mignon pour ce niveau. Bah amuse-toi bien. Oh c'est beau ce que tu dis Glalia. Justman 99,38%. Aucune difficulté de ce côté là. Je pense qu'il va bien s'en sortir Justman. Hein. Et cette fois-ci ce sera sûrement Yukio. Yukio ça a été... pour nous, un plaisir de te voir rentrer dans cette salle, mais malheureusement, il est temps pour toi de nous quitter. Désolé. Pas désolé.
Mais Asri, sois content de ta performance. C'est ça qu'on te demande. Sois content, sois fier de ce que tu fais. Et donc, Jasmine qui va FC avec 3 fois 100. Sans réelle difficulté. Je crois que Ramsès TSE a aussi eu un S. Score de qualité, après, a priori. Et on est parti sur la map la plus difficile du pool. La map, what the fuck? Bah oui, un petit peu. Si tu veux, radiateur, si tu veux. Insupportable, ces enfants. Pas respecter les règles qu'on leur donne. Ouais. Ouais, ça, je sais que c'est difficile. Mais honnêtement, c'est comme quand on joue une vraie chaise musicale. Hein. Ça fait toujours mal quand on perd. Parce que t'es vraiment tout seul là à perdre. Et c'est douloureux. C'est pas quelque chose de très difficile d'être arbitre, hein, Malphys. Mais quand t'as une seule salle à gérer, quoi. Et oui, je pense que Jossman sera premier, voleur deuxième, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ou ne tuons pas l'ours avant de l'avoir tué. C'est pas, hein. Fais ce que vous voulez. Malphys, il aime bien donner des ordres. C'est quelque chose qu'il apprécie. Sûrement un complexe d'infériorité de sa part. C'est douloureux en effet. Ouais, je sais bien. Et on va avoir Nuxil Brain, je pense. Je pense que Nuxil Brain aura eu quel. Oh, Asri, qu'est-ce qui s'est passé? Asri aurait fail. Il laisserait la place à Nuxil Brain. Non. Nuxil Brain a aussi fail, je crois. Est-ce que je pourrais avoir la confirmation de mon magnifique arbitre? Peux-tu me confirmer si Nuxil Brain a bien fail ou non? S'il a fail, c'est lui qui a perdu. S'il n'a pas fail à la fin, c'est Asri. J'aimerais une réponse de mon cher arbitre. De mon côté, Nuxit a fail. Ah! Ok, donc Nuxit qui perd. Ça laisse la place à notre top 5. Encore 4 maps. Oh! On va avoir 4 maps. Ça veut dire qu'on va finir sur la map la plus difficile du map pool. Oh! Asri top 5, il n'en revient pas. Nuxil Brain qui nous quittera. Arrivé 6ème quand même, bien joué à toi. Belle performance. Toujours très étanche cette map. Hein. En partant de la fin, oh, c'est violent. J'aurais pas apprécié. Allô. Le halo qui est call. 100% chez quasiment tous les joueurs. Asri, il est plus en difficulté. Il a call.
Apparemment, il y a du stress. On me dit ça dans l'oreillette. Asri qui est remonté, Amatsuka qui est plus en difficulté. Il n'a pas réussi à banquer de score. Jetsman toujours en SS. Tiens à remettre sa réputation dans le flambeau. Mais Voleur qui ne démérite pas. Hein. 99,84% à mon avis, c'est un seul 100. On se dirige gentiment vers la fin de la map avec Amatsuka qui est beaucoup plus loin que les autres joueurs. Et est-ce que Asri va passer dans le top 4 hein? Pour l'instant, il a même moyen d'arriver top 3. Asri le gros. Asri ! Asri ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a arrêté de jouer ! Mais Rochou ! Rochou ! Rochou ! Vite ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Non ! Mais il va briser nos rêves ! Non ! Fais-nous pas, s'il te plaît, joue. Joue. Oh non ! Oh, le coup du papa. Le papa qui toque à la chambre et qui empêche de jouer, mais non. Revive, revive, s'il te plaît. Fais-le. Oh non. Je n'ai rien à dire là-dessus. Amatsuka. Très chanceux. Tu restes dans la course car Asri a fail. Et bien sûr, GG Justman pour ce SS. Deux SS en un tournoi, c'est propre. Mais Asri, désolé. Nous avons donc notre top 4, Justman, Voleur, Ramsès Desu et Amatsuka Ko. On est parti sur Alan Walker, All Falls Down. Je pense que les joueurs commencent un petit peu à stresser en voyant Justman SS toutes les maps. Ça pas être évident niveau mental. Ah, j'ai pas pu voir tous tes scores, Justman. Peut-être qu'avant que tu sois sur l'écran, t'en as fait. Normalement, le stress est censé améliorer tes compétences. Voleur qui lâche le HR. Il a envie de montrer qu'il est meilleur que Justman. Je ne sais pas si c'est le cas. Il a peut-être confiance contre les deux autres joueurs. C'était pas un tournoi, Asri. C'est pas concrètement un tournoi. Hein. Juste un petit lobby. Voilà, juste une chaise musicale. On s'amuse. D'ailleurs, j'ai apprécié que l'idée de chaise musicale vient de Dane Fufu, aka Xira sur le stream. C'est lui, hein, quand je lui ai présenté le concept, qui m'a dit « Oh, on dirait une chaise musicale. » Et je me suis dit qu'en effet. En effet, ça, c'est totalement ça. Alors que l'idée, à la base, je l'avais eue en regardant le tournoi Knockout sur Trackmania. Justman toujours en SS, Voleur qui tient combo à Brock. Et Amatsuko qui
qui est beaucoup plus en difficulté quand même là par rapport aux autres joueurs. 8ème et 10. Je pense. Ça aussi, on a vraiment beaucoup de joueurs à la fin. Je pense que déjà 8. Ce qu'il faut, c'est déjà avoir 8 personnes différentes dans le top 3. Qui sont arrivées dans le top 3. Et c'est pas forcément évident. Hein. Les joueurs participent souvent. Je pense qu'ils vont participer souvent. Et ce sera souvent les mêmes gagnants, je pense. Ouais. Comme idée, c'est assez étrange. Hein. Enfin, surtout très difficile à mettre en place. Je pense que c'est même totalement impossible. À part un tournoi offline, je pense pas que ce soit faisable. Impossible de détecter les cheats. Et les triches. Tu peux pas regarder trop plein d'écrans en même temps. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas notice, mais Ramses DSE alternate comme Justman. Justman qui n'aura pas son SS d'ailleurs cette fois. C'est ça. Voleur qui va nous lâcher un full combo hard rock. Pépère. Et eh ben non. Cursed. Oh non. Désolé, Voleur. T'as slider break. T'as totalement slider break et Justman qui fera 1x100. Come on, dude. Bon, Amatsu. Bon. C'était une map de sursis. Hein. Mais il est temps pour toi d'arrêter là. Je crois. On a un joueur qui a totalement les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un joueur en moins? Bah Ramses DSE, pourquoi tu t'es cassé? Mais reviens! Mais reviens Ramses DSE! Pourquoi tout le monde revient dans la salle? Faut descendre. Mais Ramses DSE, reviens! Est-ce que Melfis peut réinviter Ramses DSE, s'il vous plaît? Ah, Melfis est demandé à l'accueil pour inviter Ramses DSE. Il est là. Mais Ramses, reviens! Mais reviens, tu n'es pas éliminé! Merci. Voilà. Nous avons un top 3, Ramses SSE, Voleur et Justman. Maintenant, qui va arriver deuxième et qui va arriver premier? Vous lancez comme vous voulez. Hi-hi-hi. Salut Nel Sabo, comment ça va? T'arrives un peu à la fin, mais pour le meilleur. Non, on n'aime pas tes pranks. C'est nul. J'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. Et c'est parti. Voleur toujours hard rock, il prend des risques. Il prend des risques. Je ne pense pas qu'il fera ça pour la finale. Ou peut-être s'il est confiant, mais vu la map, je ne pense pas. Parce que tu arrives à 22h47 et c'est l'heure où on est censé arrêter le stream. Justman toujours en SS, Ramses DSE beaucoup plus en difficulté que Voleur, au niveau de l'accuracy en tout cas. Bien derrière, mais toujours avec un très gros combo. Voleur avec son petit A.
Ça va être un petit peu... être celui... Le premier qui miss, il va perdre. Ouh, c'est serré, c'est serré! C'est super serré, Volor qui a une accuracy plus faible, mais le Hard Rock lui permet d'avoir plus de points grave, c'est ce... Oh! Oh non! Il aura quasiment FC Ramses et semi, il perd. Oh là 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 là. Oh, je suis désolé pour lui. C'est trop triste. Triple S sur une map aussi technique. Bah, bien joué à lui, en tout cas. Bravo, Ramses et semi, tu as perdu. Mais c'était bien joué de ta part. Et nous avons une finale Justman Volor. Sur la map la plus difficile du pool, on a une finale, Justman Volor, deux joueurs très talentueux, qui sont tous les deux 4 digits. J'ai hâte de voir ça. Lâchez des hashtags Team Volor ou des hashtags Team Justman. Soutenir votre joueur favori. Et c'est parti, les deux joueurs en no mode, cette fois on ne lâche pas d'Hard Rock, les Team Nemesis. Ah Van, tu as été devancé. Et c'est parti, je pense que le premier qui va miss va être vraiment en difficulté par rapport à l'autre, les deux joueurs qui sont beaucoup trop forts, et Volor qui lâche le premier miss. Volor qui va devoir rattraper un joueur très très fort. Justman qui est quasiment 3 digits, faut pas l'oublier. 41ème français. Justman qui tient clairement le combo. La map qui est très courte, on va voir sûrement une victoire pour le moment qui se dessine. L'écart qui se creuse, nous ne sommes pas du tout dans... Nous sommes au choix de poche. Salut Ramses II, merci d'être passé et bravo pour ta troisième place. Et Volor qui va finir deuxième derrière Justman. Bravo Justman qui lâche un petit... Oh, le petit troll de Lulucci, évidemment. Félicitations à lui. Félicitations Justman, tu arrives premier. Premier, c'est beau comme chiffre. Premier, enfin comme place. Il arrive premier. Bon, déjà Volor aussi pour sa deuxième place. Et nous arrivons... En fin de stream. Merci à tous d'être passés, en tout cas. Ça fait super plaisir. Le petit récapitulatif. On a eu... À la première salle, nous avons eu Van en vainqueur. Et cette salle, nous avons Justman. Il est hyper fort et sans pitié. Totalement ça. Donc merci à tous d'être restés, on a été quasiment 20 tout le long. Merci aussi d'avoir participé, vous avez été plus de 8 à chaque fois. J'espère que ça va continuer comme ça. On se retrouve toutes les semaines, le samedi soir, à 21h. Je commencerai le stream vers 20h30. Comme toujours, pour une petite chaise musicale, en fonction du nombre d'inscrits, on fera une salle ou plusieurs. On essaiera à chaque fois de finir vers 22h30, 23h. Et je vous souhaite une bonne nuit et bon dimanche.